Une musique que vous reconnaissez très certainement pour tous les fans de jeux télé qui se respectent. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo quiz. Et aujourd'hui on se retrouve pour 1 contre 100 sur Nintendo DS. Alors oui, je me suis dit nouvelle vidéo quiz, je me suis dit pourquoi pas refaire un petit jeu DS vite fait. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un autre jeu télé qui a beaucoup marqué les années 2000. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ce jeu-là qui est 1 contre 100. D'ailleurs, on va pas perdre trop de temps, on va tout de suite lancer une nouvelle partie. Donc là, ici, petit tuto rapide. Donc le tuto, c'est pas très compliqué. Donc dans 1 contre 100, le but du jeu, ça va être de vaincre les 100 personnes qui se trouvent dans le mur que vous allez voir dans quelques instants dans un quiz. Donc pour chaque question, ça se passe comme ceci. En fait, vous allez avoir une question, 3 possibilités de réponse. Il faudra à chaque fois choisir la bonne. Si jamais je choisis la mauvaise réponse, je serai immédiatement éliminé. J'ai aussi 3 jokers que vous voyez en bas. Joker 1, joker 2, joker 3. Le joker 1 me permet de passer la question et quand même engranger de l'argent. Le joker 2 me permet de choisir 2 réponses sur 3. Et enfin, le troisième joker me permet de demander l'avis au mur. Sachant que les jokers, je ne peux pas les prendre dans l'ordre que je veux. Je suis obligé de prendre tout d'abord le joker qui me permet de passer la question, puis le joker de la deuxième chance, puis enfin le joker de demander l'avis du mur. Voilà, c'est une règle du jeu. Voilà. Et après, à chaque question, soit je décide de prendre l'argent, soit je décide de continuer à affronter le mur. Voilà. Par contre, pourquoi il n'y a plus de son? Je ne sais pas. Peut-être que le son va revenir. Voilà, ça y est, le son revient. Donc, première question ici, c'est pour 100 euros. Donc, chaque personne qui sera éliminée dans le mur aura... je gagnerai 100 euros. Et là, on commence par une question qui est assez difficile. Donc, je crois que je ne vais pas perdre de temps. On va tout de suite prendre le premier joker. Car vous voyez, à chaque fois, je n'ai que 20 secondes pour répondre. Sinon, je serai immédiatement éliminé. Ah, c'était Charles de Gaulle, ouais, j'allais le dire, mais j'ai pas osé le dire. Donc là, on va voir le nombre d'éliminés qu'il y a dans le mur. En sachant que vous voyez des livres, des ballons de foot et des fleuristes. Bon, ça, c'est... Ça ne rapporte rien de plus que vous éliminez un footballeur, un fleuriste, etc. Oh, pas mal, là, on a éliminé 53 personnes du mur. Voilà, puis là, vous voyez tous les gens du mur qui disent « le mur, faut que tu continues ». Donc là, maintenant, j'ai le choix. Soit je décide de m'arrêter là et de prendre directement les 5300 euros. Et la partie sera immédiatement terminée. Ou je décide de continuer en affrontant le mur. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va continuer à affronter le mur. Et là, donc là, maintenant, je n'ai plus que 47 personnes à battre pour remporter le jackpot à 200 000 euros. Comme vous voyez tout en haut. Et là, maintenant, pour cette prochaine question, chaque personne que j'éliminerai me fera gagner 150 euros par personne. Quels sont les deux états qui ont une frontière commune avec le Liechtenstein? Mon dieu, mais je suis nul en géographie. Je vais prendre le deuxième joker tout de suite. Ah, je prends mes jokers trop vite là, hein. C'est un peu dommage. Je vais dire mon dieu, je vais dire Allemagne-Luxembourg. Non, mauvaise réponse. Bon, on va prendre le troisième joker parce que vous voyez le temps file, hein. Vous voyez, il me reste plus qu'une seconde. Et là vous voyez, c'est terminé. Donc vous voyez, donc là j'ai perdu directement parce que je n'ai pas répondu dans les temps. Voilà, bon, c'était l'explication. C'était vraiment pour vous montrer un peu le principe même du jeu. Donc maintenant que vous avez compris le jeu, on va pouvoir jouer un peu plus sérieusement. Donc dans le mur, il y a 6 étudiants, 6 footballeurs et 5 amateurs de littérature. Bon, ça ne change pas grand chose évidemment. Donc on va se faire quelques parties et puis voilà quoi, tout simplement. On va essayer au moins d'atteindre les 200 000 euros une fois. Quel chanteur triomphe avec le tube Sexy Back? Mon dieu, mais je ne connais même pas cette chanson. Non mais les mecs, c'est énorme, j'ai déjà reprendre un premier joker. Non mais les gars, je suis nul aujourd'hui, putain. Ah, c'était Justin Timberlake. Ah ouais, mais j'aurais jamais dit lui. Donc pas de regret. Bon, moi, je suis juste pas le seul à pas connaître. Loul. Ok, 37 éliminés, donc ça fait 3700 euros. Bien. Oui, on continue. Le mur, hein, allons-y.
Tiens, d'ailleurs, vous le voyez ici devant votre écran, mais j'ai changé aussi mes petits dragons qui se trouvent sur le côté. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez les dragons d'avant ou ceux-là. Dans l'univers de South Park, qui est le plus gros de la bande. Mais pareil, je regarde pas South Park. Mais je crois que c'est Cartman, non, il me semble. Kenny, je sais que c'est celui qui se fait toujours tuer à un moment. Ouais, je vais dire Cartman. Ouais, c'est ça, bonne réponse. Ouf. Oh, c'est pas mal, là. Combien d'éliminés, là? 34 éliminés, c'est pas mal. On passe à 8800 euros, donc parfait, soit je prends l'argent. Soit je prends le mur. Bon, allez, on va encore continuer un petit peu le mur. De toute façon, j'ai encore deux jokers, ça peut peut-être passer. Allez, 1 contre 29. Et cette fois-ci, ce sera 200 euros par adversaire éliminé. Autrefois, qu'étudie un phrénologue pour déterminer le caractère d'un individu? Phrénologue? Je dirais la tête, peut-être. Bon, on va prendre le deuxième joker, comme ça je prends pas trop de risques. On va dire la tête. Ouais, c'est la tête. Donc là, comme j'ai quand même donné la bonne réponse, mais comme j'ai quand même activé le joker, ben le joker est quand même perdu, évidemment. Ok, 3200 euros de plus, on passe à 12 000 euros, c'est pas mal. Et là, bah tiens, écoutez, je vais prendre les 12 000 euros, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça fait. Donc voilà, donc là je décide de m'arrêter là. Je prends les 12 000 euros et comme ça, bah, ça me fait 12 000 euros. Et là, vous voyez en plus en haut une sorte de tableau des meilleurs scores. Donc là, ici, mon meilleur score, bah, c'est moi avec 12 000 euros. Voilà. Et après, bah, si on le souhaite, on peut recommencer ou non une partie. Dans les options, c'est musique et son. Et puis il y a les crédits derrière. Et on est reparti bah, pour une nouvelle partie. Alors je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Ça va durer 15, 20, 30 minutes, je sais pas du tout. On verra bien. Alors, un usage répandu veut qu'on consomme les huîtres au mois en... Oh, j'ai déjà entendu ça. En R, en S, en T. J'ai déjà entendu ça. C'est pas en S, c'est en S ou en R, je crois. Non, c'est en R. Mince. Donc là, vous voyez, comme je me suis trompé, bah voilà, je perds immédiatement. Voilà. Au moins, comme ça, ce qui est bien, c'est que je vous montre toutes les possibilités du jeu. Voilà, le temps perdu, l'acceptation de l'argent, je vous montre tout. La mauvaise réponse, moi comme ça je vous montre tout. Alors, selon le proverbe de la discussion, jaillit... Pareil, j'ai un doute. De la discussion, jaillit la lumière, non? Oui, c'est ça. Non mais sérieux, je veux bien faire la vidéo aussi, mais je veux pas non plus être ridicule, hein, les gars. Je vous le dis aussi. Loul. Ah, à ce point-là, ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. 59 éliminés pour cette première question, c'est pas mal. Allez, question numéro 2, avec 1 contre 41. 150 euros par adversaire éliminé. Quel est le titre d'un album de Patricia Cass? Mon dieu. Je te dis vous, je vous dis tu, je lui dis tu. Alors moi j'aime beaucoup la même chanson française, mais les albums j'ai un peu plus de mal, donc je vais prendre le premier joker. Hein. C'était je te dis vous, ouais, je te connaissais pas. Je connaissais vraiment pas. Ok, 24 éliminés. 9500. Allez, le mur, on continue. 1 contre 17. 200 euros par adversaire éliminé. Question. Selon Richard Gottener, quelle manie est mambo? La mythomanie, la décalcomanie, la mégalomanie? Oh, ça va. Voilà, quand c'est plus sur les chansons, moi je connais un peu plus que les albums. Donc là, j'irais plutôt la décalcomanie, hein, réponse B. C'est bien ça, en effet. Oh, il y a que un éliminé, d'accord. Bon, ça se prend, ça se prend. 200 euros de plus. Oui, oui, bah le mur, allons-y. Allez, 1 contre 16, 250 euros par adversaire éliminé. Question.
Dans quelle émission télécrochée le public a-t-il découvert Olivia Ruiz? Bon, en plus, je l'ai dit, c'était un télécrochet. Loul. Loul, donc c'est la Starac, hein, bien évidemment. Il n'y a pas d'hésitation, là. La femme chocolat. Oui, oui, bah le mur, allons-y, on continue. C'est 1 contre 12. 300 euros par adversaire éliminé cette fois-ci. Combien de candidats du mur doivent perdre à la deuxième question pour emporter 600 euros au candidat central? Ah bah là, c'est une question sur le jeu. Donc là, il faut vraiment connaître l'échelle des gains. Donc deuxième question, c'est 150 euros par adversaire éliminé. Donc pour emporter 600 euros, bah, il faut 4 personnes éliminées. 4 fois 150, 600. Ok, 5 éliminés, 1500 euros le plus, on passe à 12002. Oui, oui, le mur, allons-y. 1 contre 7, 350 euros par adversaire éliminé. En France, à quel moment de l'année la nuit dure-t-elle le plus longtemps? Fin de l'hiver, fin de l'été, fin de l'automne. La nuit la plus longue, c'est le 21 décembre. Donc c'est à la fin de l'automne. Parce que c'est au début de l'hiver. Oh, j'ai peur, les gars. Oui, c'est ça. Oh, j'ai eu une trouille à un moment, là. Je dis, non, c'est pas ça. Mais si, c'est bon. C'est bon. Ok, 5 éliminés. 1750 euros. Il n'en reste plus que 2, là, je crois, non? Oui, c'est ça. C'est 1 contre 2. Ok, cool. Donc là, si j'élimine les 2, je gagne les 200 000 euros. Sinon, ça fait 400 euros si j'en élimine qu'un seul. Dans quelle ville peut-on se promener sur les berges de la Tamise? Oh, c'est à Londres. Je pense qu'il n'y a pas de problème, là. Oui, c'était à Londres, pas de soucis. Ah, pas d'éliminé, dommage. J'aurais bien aimé. Oui, oui, ben le mur, on enchaîne. De toute façon, j'ai encore mon joker de la double chance, donc... 500 euros par adversaire éliminé. Question. Qu'est-ce qui, transmis par le père, détermine le sexe d'un enfant? Ben, c'est le chromosome. Chromosome X ou chromosome Y. Voilà. Sans problème. Ah, un éliminé, il en reste un. Il en reste un. 14 450 euros. Ah, si j'élimine le dernier, c'est bon, là. Donc là, on s'en fout un peu de l'échelle des gains, puisque là, si je l'élimine, c'est 200 000 euros. Quel chanteur a sorti l'album Menteur? Mon Dieu, je connais pas. Moi, j'adore Benabar, mais je pense pas que ce soit lui. Donc je vais hésiter entre les deux autres, on verra bien. Aïe aïe aïe, c'est pas Vincent Delerme, donc c'est Kali alors. Non, c'est quand même pas Benabar. Non, c'est pas Benabar. Ouf, j'ai eu peur. Oui. C'est bon. Yes. Et ben voilà. Au moins comme ça, je vous aurais tout montré comme ça. Les lignes de la fin du temps, la mauvaise réponse, le... L'arrêt quand on s'arrête et qu'on prend l'argent, les 200 000 euros, bah écoutez, non mais quelle vidéo les gars, quelle vidéo! En plus j'ai gagné des médailles, alors les médailles je crois que c'est dans les stats, voilà. Donc là ici vous voyez les différentes médailles du jeu, donc médailles qu'on peut gagner, donc voilà, détruire le mur en 12 questions, 8 questions, 6 questions, donner un certain nombre de bonnes réponses, ici donner un certain nombre de bonnes réponses à la suite, battre le mur un certain nombre de fois. Ici, battre le mur en utilisant le moins de jokers possible. Et là, ici, jouer un duel, donc un contre un. D'ailleurs, c'est bizarre un peu que j'ai pas eu ce trophée-là. Un peu bizarre. Bon, je regarde mon chrono. On a 15 minutes. On va se refaire une dernière partie. Et puis après, je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo. Allez, première question, 100 euros. C'est parti. Où se situe l'os sur lequel est fixé le tendon d'Achille? Bon, normalement, c'est au niveau du talon d'Achille. J'allais dire à moins qu'il y a un gros piège derrière, mais non, hein, tout va bien. Alors aussi, autre règle que je n'ai pas précisée dans le jeu. Mais si jamais vous choisissez le mur et que vous souhaitez arrêter en voyant la question, vous pouvez, si vous souhaitez abandonner le jeu... Mais dans ce cas-là, vous ne repartirez qu'avec 25% de la somme que vous avez récupérée. Voilà, ce qui est possible aussi.
Alors, quel pays n'a pas de frontière commune avec l'Autriche? Oh, j'ai un énorme doute là. Je dirais bien. Oh, j'ai un énorme doute là. Je vais dire la Pologne. Ouais, c'est la Pologne. Oh, j'ai eu un énorme doute du coup, c'est pour ça que j'ai préféré vraiment prendre le temps de la réflexion parce que j'ai eu un énorme doute sur le coup. Oh, pas mal, oh, pas mal. Oh, pas mal. Ah, oh, ouais, beaucoup de rouge là, c'est bien. Ah, oh, ouais, 51 mauvaises réponses, pas mal. Alors, le nombre de mauvaises réponses, c'est aléatoire hein, dans ce jeu-là. Hein. Ok, c'est 1 contre 36. 200 euros par adversaire éliminé. Quel frère Dalton est le plus méchant et le plus petit? Bon, ça va. C'est Joe, normalement, si tout va bien. Tout à fait, bonne réponse. Ok, 14 éliminés. On passe à 11 750 euros. C'est pas mal. Oui, on continue, on continue. Hein, on perd pas de temps. 1 contre 22, 250 euros par adversaire éliminé. Si le côté d'un carré mesure 4 cm, quelle est l'aire de ce carré? Oui, c'est 16 cm carré. Mais putain, mais qu'il est con, j'ai cliqué sur Joker 1. Mais non, je vais cliquer. Putain, mais qu'il est con. En fait, il faudrait plutôt que je mette ma souris du côté droit. Mais non, putain, en fait, j'ai cliqué. En fait, j'ai toujours ma souris du côté gauche et je... Mais putain, qu'il est con. Oui, c'est 4 x 4, 16, hein, bien évidemment. Hein. Oh, le con. Bon, c'est pas grave, tant pis. J'ai pas envie du premier joker, en fait, c'est pour ça. Si la racine carrée d'un nombre x est égale à 9, alors x vaut 3, x vaut 18, x vaut 81. La racine carrée vaut 9. Alors, x vaut 3? Ou c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse, x vaut 81. Ah, oh, le con, c'était l'inverse. C'était l'inverse, les gars, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Bon, allez, écoutez, pour faire les 20 minutes, on va s'en refaire une dernière. Comme ça, on fera 20 minutes de vidéo, ce sera très bien. Allez, dernière partie du... Dernière partie. Allez, let's go. Ah, et là vous. Ah, bah tiens, en plus, bah, vous voyez le truc, c'est que les questions, vous voyez, se répètent quand même assez vite. Hein. Là, vous voyez, en 5 parties, on est déjà tombé 2 fois sur la même question. Hein. Ouh là là, donc vous voyez, les questions se répètent quand même assez vite. Vous voyez, là, on a fait quand même une partie assez courte. Hein. Vous voyez, là, on est à 20 minutes de vidéo, et vous voyez, en 20 minutes de partie, vous voyez, on a déjà eu 2 fois la même question. Hein. Vous le voyez. Oui, le mur, le mur. Allons-y. 1 contre 83, 150 euros par adversaire éliminé. Comment se conjugue le verbe choisir à la deuxième personne du pluriel du conditionnel présent? Ouais, bah là, joker. Hein. Moi, le français. Moi, le français, voilà quoi. Oh là là, il n'y a pas beaucoup d'éliminés, dis donc. Ça serait bien aussi que je vous montre aussi le troisième joker. Je ne vous l'ai pas encore montré celui-là. Ça serait bien que je vous le montre. Le qui pense comme moi, là, ça serait bien quand même que je vous le montre. Ok, 200 euros par adversaire éliminé. Qui est le dieu de la mer dans la mythologie romaine? Bah, c'est Neptune. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais n'hésitez pas à jouer avec moi, bien sûr. Hein, c'est une vidéo quiz. N'hésitez pas à jouer avec moi. Pas mal, 10 300. Oui, le mur, allons-y. C'est 1 contre 38. 250 euros par adversaire éliminé. Question. Quel arbuste a des feuilles persistantes? Ah ouais? Bon bah joker 2 hein. Parce que là, moi les fleurs, je connais pas grand chose. Je veux dire le Syringa, je sais pas ce que c'est. C'est pas ça. Bon bah moi comme ça je vais vous montrer le qui pense comme moi. Donc en fait je choisis une réponse et en fait le mur va me dire combien de gens, par exemple je vais dire le camélia, réponse A. Et là voilà ici donc les gens qui ont dit aussi le camélia. Bon comme je vois qu'ils sont pas très nombreux, on va dire le lilas. Et c'était le camélia.
Oh, ce fail. Ah, bah là, j'aurais éliminé vraiment beaucoup de gens, là, parce que il y avait que 8 personnes, je crois, qui avaient choisi la réponse A. Ah, chaud, chaud, chaud. Chaud. Bon, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Non, mais moi, les fleurs, vous savez, hein, moi, j'y connais que dalle en fleurs. Voilà. Bon, au moins, ce qui aurait été cool, c'est que je vous aurais montré au moins une fois les 200 000 euros. C'est le principal et c'est ce que je voulais dans cette vidéo. C'est parfait. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Donc, c'était top top donc pour cette vidéo quiz sur 1 contre 100. Voilà, 1 contre 100. J'espère que cette vidéo quiz vous aura plu. Et quant à nous, eh bien, on se retrouvera eh bien, très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde. We'll be right back.